Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, on est en forêt, et oui, et on cherche des champignons. Alors regardez, là on a des petites clavaires. Voilà, donc c'est des petits champignons. Alors il y en a qui le mangent, mais bon, c'est vraiment plus goût caoutchouc. Hein. Alors il y en a plein de petits, vous voyez. Alors c'est, il est encore tôt dans notre région pour les champignons. Mais il y a certaines régions où vraiment, là, ils sont partis depuis au moins une semaine, voire deux semaines. Nous, ça vient tout juste d'arriver. Regardez, là, on en a un qui est en train de pousser. Alors, est-ce que c'est une lactaire? Là, je ne peux pas vous dire, parce qu'il faudrait la retourner pour savoir ce que c'est. Alors, bien sûr, quand vous partez aux champignons, soit vous êtes connaisseur, vous en connaissez quelques-uns très bien, soit sinon, si vous débutez dans les champignons, et bien tout simplement, vous allez en prendre un. Voilà. Vous l'amenez à la pharmacie et le pharmacien pourra vous aiguiller sur la nature du champignon. Regardez cela, champignon de souche. Il y en a des fois qui sont mangeables aussi. Il y a certains champignons de souche qui sont mangeables. Alors je regarde autour de moi si je peux vous trouver des comestibles, style eh ben, des bolets, style des cèpes. Hein, forcément, c'est les meilleurs. Mais il y a de tout. Il y a aussi, vous pouvez avoir des chanterelles, vous pouvez avoir des trompettes de la mort. Il y a des girolles, il y a vraiment de tout quand on s'y connaît et quand on connaît sur tous les coins. Alors les amis, ce que je vous propose, c'est que je vais couper et je vais fouiller. Alors, oui, encore là, juste ici, encore des clavets. On va voir si on peut trouver autre chose. Alors comme je vous disais, il est un peu tôt dans ma région. Donc du coup, il y a peut-être peu de chances que je trouve quelque chose. Mais on se retrouve peut-être à la prochaine trouvaille. Allez, à tout de suite.